Salut les gars, c'est MK et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Objectif France sur Star Wars Battlefront. Pour cette partie, je joue en mode cargaison. Grosso modo, c'est une capture de drapeau, hein, on va pas y aller par quatre chemins. C'est une capture de drapeau qui se fait actuellement sur la map. Quel est le nom de cette map? Alors là, je vous dis, je suis pas vraiment le meilleur en termes d'apprentissage de nom de map. J'ai beaucoup de mal. Je pourrais à la limite vous dire la planète, je crois que la planète ça doit être Endor. Car d'après les... Si je me souviens bien dans les films, c'est là que se pose... Là, non, il est un peu loin lui. Je crois que c'est là que se pose le vaisseau impérial en forme de triangle. Je ne connais pas vraiment son nom non plus. Ah, il y en a bien, si. Oula. Faudra qu'on m'explique pourquoi la grenade ne l'a même pas effleuré. Ça c'est assez mystérieux. Enfin bref. Est-ce que je peux passer par là? Ouais, parfait, ça c'est cool. Alors c'est le premier épisode d'Objectif Franc que je tourne en 1080p. A vous de me dire si en commentaire si vous voyez vraiment la différence. Ouais, c'était un peu trop nombreux là. Car j'ai remarqué un petit peu que... En fait, en passant simplement du 720p au 1080p, la qualité augmente quand même pas mal. Donc j'ai envie de voir si c'est utile. Parce que je crois que ça double le tour de plot ou quelque chose comme ça. Holy shit! Allez, salut. Bref, donc là j'utilise un blaster, un pistolet blaster nommé SE-14C. Et c'est un blaster qui tire des rafales de 5 lasers en fait. Donc vous allez tirer 5 lasers, en une rafale il ne tue pas, ou du moins d'après mes rapides tests sur l'arme, elle ne tue pas en une rafale, il faut mettre minimum 2. Mais en tout cas en une rafale, si vous mettez les 5 lasers, ça amoche bien l'ennemi quoi, là il n'y a pas de problème. Donc il faut qu'on aille... Si elle passe... Oh, le fail. Non, me suis pas s'il te plaît, laisse-moi partir. Ah mais il va me suivre lui. Rentre chez toi. Merci. Ah, il y a son pote. Il y a son pote qui va arriver. Il est bientôt là. Il est bientôt là. Mais il vient quand? Bon, il vient pas, je prends le drapeau. Donc voilà, en gros c'est un capture de drapeau. Là j'ai pris le conteneur, je crois. Non, la caisse de marchandises, c'est pareil. Et donc là je dois la rapporter à ma base sans me faire arracher. Alors, est-ce qu'il y a... Ah oui, il y a un mec là. Il y a un mec là. Moi je vais passer par là perso. Hop. Ça fait un peu flipper. Non, laissez-moi. Allez, allez, vite, réacteur dorsal. Ah, je peux pas. Ah d'accord, quand on se trimballe la caisse de marchandises, on n'a pas accès au réacteur dorsal. Et donc là, je suis totalement à découvert. C'est parfait. Oula, il y en a un là, je crois. Ouh, c'est un allié. Il m'a fait flipper. Allez, je pense que là, je peux le poser normalement. C'est là-bas. Je suis à 30 mètres, 40 mètres. Allez, je vais au moins poser mon petit drapeau. Et c'est parti, on va le poser. Oh, c'est qui lui? Allez, hop, lui, on lui dit au revoir. Et voilà. Hop, on fait une petite emote. Ah, j'ai un mec à la mine de proximité. C'est qui lui? Il va rentrer chez lui. Bah voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors lui, il va sûrement rentrer. Ah, il s'est fait défoncer. Il n'aurait pas dû rentrer. Il y a un mec en bas là. D'accord, je vais le lancer sur mon allié. Alors, apparemment... Ah oui, d'accord, en fait, apparemment, le conteneur change de place. Ah, il y a un allié qui l'a pris. Holy shit, j'aurais pas dû passer. En fait, j'aurais surtout dû regarder à droite au lieu de regarder à gauche. Comme dans quand on traverse la rue. Voilà. Hop. Allez, ouvre. Ah non, mince, c'est une porte bloquée. Je ne peux pas entrer. Apparemment, il faut que je prenne cette porte-là. Toi, tu lâches notre truc, là. D'ailleurs, je vais le reprendre. Ça, c'est fait. Ah, mais il est pas mal du tout, ce blaster-là. SE-14C, pas mal du tout. Enfin, pour l'instant. Ce que j'en pense, c'est qu'il est pas mal. Ah, dommage. Bref, alors comme vous l'avez remarqué, normalement l'épisode d'Objectif Franc précédent, eh bien, hop, on va mettre une mine de proximité là. Je me fais pas spammer là? Au secours! Ouf, ça c'était violent. Hop, dubstep nade, dubstep, grenade dubstep, et ouais, un kill à la grenade, c'est cool. Personne au-dessus? Nice. Alors oui, l'épisode d'Objectif Franc normalement se terminait au rang 7, ou du moins je venais de passer le rang 7. Alors que dans cette partie, vous voyez bien que j'ai le jetpack, donc ça veut dire que je suis minimum rang 13, je suis même rang 15. Ça c'est simplement parce que j'ai fait des parties avec BDW. La partie précédente, l'épisode d'Objectif Franc numéro 5, c'était avec BDW, mais après on en a fait plein. Donc ça m'a juste fait plaisir de jouer avec lui, et je n'allais quand même pas me priver, parce qu'en fait à la base, c'est vrai que là je déroge un petit peu au concept d'Objectif Franc, qui est de montrer tous les gameplays, mais vous savez comment ça s'est fini pour Hardline, si je ne joue pas pour mon plaisir personnel avant tout, ben je me lasse assez rapidement. Donc je préfère, à la limite, déroger un petit peu à la règle, c'est pas bien grave non plus. Voilà, je suis un petit peu mal en fait, on va mettre une mine de proximité, comme ça s'il y en a qui passe, et salut
Les potes. Oh dommage. J'ai voulu m'enfuir. C'est pas passé. Donc voilà, c'est vrai que j'ai tourné un peu. J'ai tourné hors vidéo quoi. Enfin, j'ai joué hors caméra, mais c'est pas bien grave. En tout cas pour moi. Après, je suis désolé si ça vous choque. Hein. C'est vrai que c'est le concept. Hein. Là, je n'ai rien à dire. C'est le concept et j'ai pas vraiment. Ouh. Alors lui, il commence à m'énerver. Ah ouais, c'est ça. Planque-toi. Ouais. Planque-toi. Oh non, il y a l'autre. Oh dommage. Ça, j'avais pas capté. Bon, je vais spawner sur mon partenaire. Donc voilà, j'ai gagné 7 rangs quand même en vidéo. C'est mal, je sais, voilà, c'est mal. Mais bon. J'espère que vous ne m'en voulez pas. De toute façon, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de faire des gameplays, pas mal de gameplays. Hein. Simplement qu'il manquera une petite partie, mais bon. Viens là, toi. Toi, tu viens là. Voilà, ça c'est fait. Bon, ce SE14C, il est pas mal du tout. Vraiment, là, mon constat actuel, c'est qu'il est pas mal du tout. Mince. Il y a peut-être un qui va passer là. Au pire, je peux vraiment camper là-dedans, quoi. Il y a moyen de camper. Oh, 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 non, 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 en fait, il n'y a pas moyen de camper. On va se planquer. J'ai peur qu'il y en ait qui viennent. Oh, le coup du lapin! Oh, le coup du lapin! Allez, salut. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont venir? Déjà, il faut que je gagne ma vie. Avant toute chose, je dois regagner ma vie. Je crois qu'il y en a qui viennent là. Merde, ah, j'ai cru que c'était un ennemi et j'ai tiré. Ok, l'allié s'en est occupé. Hop, on va monter. Ok, ok, ok. Ça, c'est le contrôle du jetpack par MK. Pas mal du tout. Ouh, ça, ça va être puissant. Hop, petit tour à l'infanterie qui est dans le coin là. Bien sale. Bien crade. Laissez-moi, please. Ah non, c'est pas une tourelle, c'est juste un blaster. Hop, je vais activer ça. Ça me redonne mes grenades, c'est cool. Vous savez quoi, je vais aller refaire un petit coucou. Ouh, j'ai des problèmes. J'avais une... la chose, comment on appelle ça? L'atout que j'avais trouvé par terre, c'était quelque chose qui refroidit vos cartes. En gros, ça annule le temps de ça annule le délai sur les cartes. Donc c'est pratique. On leur met une sacrée race quand même. Hein. 8-2. Je pense que le 10-0 ne va pas tarder. Ça ferait plaisir à vrai dire. Ah, il est mort, d'accord. Ok, j'étais en train de vider mes balles sur un cadavre. Je crois qu'il y a du monde. Hein. Ouais, genre là, lui, il m'inspire pas tellement confiance. Vous savez quoi, je vais tenter un truc ultime. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok, ça commence mal. Je me fais canarder. Allez, on peut y arriver. Mon but, c'est simplement de les contourner. Le problème, c'est que je suis obligé de courir parce que j'ai 8 soldats à mes trousses. Et donc, du coup, je suis marqué sur toute la map. Voilà, un vrai plaisir. En plus, il y en a un qui se trimballe avec notre drapeau, là. Ça, ça va pas le faire. Alors ça, mec, ça va pas le faire. Moi, ce qui campe, lui. Au-dessus, en dessous. Au-dessus, je pense. Ouais, je le vois. Je le vois. Coucou, toi. Comment tu te sens? Allez, salut. Oh là là. Ah bah, attendez, c'est une jungle, ici. Cadeau. Oh non, la grenade, elle est pas passée. Oh non, elle est pas passée. Pourtant, je l'ai lancée. Je lui ai même fait cadeau. Pourtant, on ne refuse pas un cadeau. Ça, c'est dommage. Ouf. Je me suis fait... Je me suis pris une sacrée crampe de la part de boîte bleue. Il m'a stoppé dans mon jetpack. Oh, alors le mec... Il a des... Oh non, 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 non. Laissez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Il m'énerve à camper là-bas, là. Ok, pire grenade de l'année. J'aimerais bien d'un coup avoir mon jetpack comme ça je peux aller voir le mec là-haut. Vous le voyez lui? Le fourbe. Allez salut mec, content de t'avoir connu. Attaque ninja. 3, 2, 1. Quoi? Ok. Oh non. Je suis passé genre entre la rambarde et le mur, je ne savais même pas que c'était possible. Je viens de découvrir un truc. Bon, en tout cas il y a 9-1. Donc ça, d'un point de vue c'est pas mal, et d'un autre point de vue c'est un peu violent. Ça veut dire que peut-être les équipes sont mal équilibrées. Donc ça veut dire qu'il y a du boulot. Hop, cadeau. Ça c'est fait. Où est-ce qu'il y a un mec là? J'ai envie de lancer une grenade, mais je ne sais pas où l'envoyer. Autrement dit, ça pue. Hop, cadeau. Alors là, je vais les chercher. Au moment où le mec descend, je monte et je fais un petit kill. Toi, tu rentres chez toi? Oh, la puissance de ce blaster quand même. Elle n'est pas à redémontrer. Hop, c'est cool là. En fait, on peut vraiment faire du nettoyage de plateforme. Il y a souvent des mecs qui viennent camper sur la plateforme là, donc vous faites des multi-kills. Oh oh oh, problème là-bas. J'ai vu un mec. Non, j'ai vu un mec là-bas par contre, je suis sûr et certain. Il y avait un mec en bas, voilà, hop, ça c'est fait. Tiens, toi tu dégages. Holy fuck, toi tu dégages. Ouf. Alors lui, j'adore quand un ennemi active, enfin, quand un joueur active son jetpack tout en se faisant exploser. Son jetpack en fait implose et le mec finit assez mal, donc c'est assez drôle.
Normalement, il y a un mec à gauche. Ah non, en fait, c'est un allié. Mais donc. Coucou toi. Comment tu te sens? Comment tu te sens ces derniers temps? Ça va la famille? Oula, lui il va me tuer. Oh la vache! Comment je l'ai eu? Alors lui il a envoyé la purée de la purée quoi. Il est où lui? Salut! Salut mon poteau! Oh non, la mine de proximité! Bien joué, bien joué! Ça, ça joue bien! Il l'a bien placé hein. Ah, 10-0, voilà, le 10-0, ça fait plaisir. Mettre des marchandises, gagner 10-0 dans cargaison. C'est bien sympa comme mode de jeu, j'aime beaucoup. Capture le drapeau, en tout cas c'est mieux fait que sur BF4, ça c'est sûr et certain. Ah, ça fait plaisir de jouer un bon petit mode de jeu infanterie. Je vous garantis que le prochain ça sera un mode de jeu avec un héros. Ça sera soit track du héros, soit combat des héros, je ne sais plus tellement comment il s'appelle, mais il y a deux modes de jeu où les héros sont impliqués. Et je vous garantis que l'objectif français ça sera ça. En tout cas, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Objectif Franc. Allez, salut.